Je ne vais pas prétendre avoir des moyens qui me permettraient de répondre à tous les besoins de toutes les nécessités de toutes catégories, particulièrement en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Zéphirin, j'ai bien compris votre requête. J'ai bien entendu votre demande. Elle n'est pas votre, elle est notre. Je ne veux pas m'avancer en brillant par des promesses. Et parce que je n'aime pas la pose des premières pierres, je préfère les inaugurations. Papa porte bonheur Joseph Kabila Kabange. Qui, comme je viens de dire, qui se trouve parmi les principales personnes qui nous soutient, qui nous aide, qui nous encourage, qui ne se plaint jamais de toutes ses absences quand il s'agit de ma présence auprès de vous, nos compatriotes, auprès du peuple congolais et de l'humanité entière d'ailleurs. Sachez que dès aujourd'hui, nous allons marcher main dans la main, coude à coude. Jésus a accepté de mourir sans intérêt quelconque en retour. Il nous a laissé l'exemple à suivre, celui de nous aimer les uns et les autres. Ma mission TV, le miroir du monde.
passer. Salut à vous tous fidèles de AmAm TV, bienvenue encore une fois. On se retrouve aujourd'hui ici dans le parc de la vallée de l'Antélé et Sika Lelotoko Sangana Nabana Oyobazena Bokono ya Trisomie 21 Otobengara communément les enfants mongols pour Nabatoué Bélé Oyobalanda Kabiso à travers ma mission TV. Boyebi que beaucoup de parents souffrent de ça. Ba parents belé ba souffrir na problème ya bana na bango ba bazali ko boko la topé ba bota o bazali ko souffrir na maladie wana ya trisomie 21 e belé ba bomba kabana e belé ba ko kaka ko bimana bango en public té e belé ba yo kaka soni mais mokolo lelo ezali journée moko très spéciale oyo ASEF, Association Sans Frontières et Sangani, Naba Mama Nyon Soana et Baye Nakatiya, Parc de la Vallée de l'Antélé et Sika Mama Olive Lembe à l'occasion y a fête de Pâques, Bouébi Kebana Bazali na vacances. Ce qui botel na simananga boko constater qu'il y a vraiment beaucoup de enfants. Je vais vous laisser vraiment suivre en intégralité cette journée si spéciale que j'appelle comme ça. Il y a banana biso oyo maman nyonso oyo ayebi bongo pasi ya kobota maman nyonso
oyo azalaka bongo na mwana pembeni ayebi lolenge nini esalaka soki bapesi esengo na mwana na ye oyo ye azali kosufri tant mosu na soni moko mamoni ke eloko ya bombaka yokelaka soni moto moko atelemi apesi yango valeur atomboli bango esalaka toujours esengo yango journée ya lelo mama Olive Lembe Kabila na association sans frontières basangani bongo pona ko sepelisa bana oyo binomo bokota la c'est-à-dire bazali bana lokola bana nyonso kolongola moke oyo ezali défaut na bango et pona bande ko nyonso bazali kolanda biso de partout bokolanda ndenge nini journée wana ezali koleka et puis bakosuka wana te après juste ko sakana ko lia moi moke o ekozala ko kabola ensemble na bango bana bakoleka bongo na test ya malaria na sans roue oyo esali pe bongo na sima kosunga bana wana nyonso obaye mokolo ya lelo baleka pona koyeba soki bazali na bokono ya malaria tokozonga sima po ke to continue ensemble na bino mais un instant venez d'abord avec nous on va jouer avec les enfants.
Coco. Coco. Excusez-moi. Là. Alors, dans l'Afrique, il y a un rhinocéros, il y a Pembe, il y a un rhinocéros, il y a Mouine. Bon,
Ah, tu dis que Muninga. Lyon à la Ndagaga, Lyon au Azana Chalet. Il s'en fout. Il a considéré qu'il s'en va. C'est pas la bangone, moi si ne m'a provoqué à mon. Mais bangone, Bazana Nani, moi si. Gino Aïe, il peut combiner. Aïe, ma sœur, il est mort, il est tout bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous mes invités. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et les caméramans et photographes qui gênent les autres que je ne vois pas, s'il vous plaît, si vous pouvez trouver meilleure position. Pour que, de façon à ce que je puisse communier face à face, les yeux dans les yeux avec mes invités.
Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ que je sers. Bonjour. Et je vous remercie d'avoir accepté harmonieusement à la demande de Madame Liliane d'avoir accepté de venir fêter anticipativement la fête de Pâques avec nous. Une fête en tant que chrétien qui a une signification très importante puisque c'est à travers la résurrection de Jésus-Christ que nous servons par la foi, que la preuve d'amour s'est manifestée réellement et sincèrement dans la transparence et la franchise. Jésus a accepté de mourir sans intérêt quelconque en retour. Il nous a laissé l'exemple à suivre, celui de nous aimer les uns et les autres. La seule recommandation qu'il nous a laissée comme un grand souvenir dans la voie à suivre pour préparer notre accession, pour préparer notre entrée dans les royaumes des cieux auprès du Père, Dieu Tout-Puissant, que nous servons à travers Jésus-Christ. Mes chers, je ne vais pas prétendre avoir des moyens qui me permettraient de répondre à tous les besoins, de toutes les nécessités de toutes catégories, particulièrement en République démocratique du Congo et même dans le monde. Pourquoi? Parce que l'humanité fait vivre le monde. Sans humanisme, rien n'existerait, rien n'aurait aucun sens. Sans amour, la vie humaine n'aurait aucun sens. C'est pourquoi je me suis juré, dans l'harmonie bien sûr parfaite, avec mon époux Joseph Kabila Kabange, qui nous soutient dans tout ce que nous entreprenons comme assistance, comme soutien, à la limite des efforts de notre panier pour pouvoir donner un peu d'espoir et de sourire à ceux qui en ont besoin. À travers ce mot, et ceci dit, un enfant, c'est un enfant. Peu importe sa condition physique, peu importe sa façon, peu importe sa formation, pour nous les mères particulièrement, nous préférons que s'il y a une lueur d'espoir et que il y a un souffle de vie dans l'être qui grandit dans notre sein,
presque tout le monde peut rejeter, mais sauf la mer. Le pourquoi des félicitations particulières à toutes les mamans qui ont eu à mettre au monde cette catégorie d'enfants. Puisque, en tant que chrétien, la parole nous dit que tout concourt de ceux qui aiment Dieu. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais tout simplement résumer cette rencontre d'aujourd'hui en ceci. Maman Liliane, ambassadrice, puisque vous avez prouvé à travers votre engagement sans intérêt pour cette catégorie de personnes, ensemble avec leur famille. Sachez que dès aujourd'hui, nous allons marcher main dans la main, coude à coude. Et nous allons, à la limite des possibilités à notre disposition, nous allons vous accompagner et vivre un partenariat sérieux, un partenariat qui va permettre à ce que le minimum qui peut être fait, le minimum de missions que nous pouvons accomplir ensemble soit réalisé. Et tout en vous félicitant, je vous rassure du soutien régulier désormais, aussi peu qu'il peut être, pour que nous puissions ensemble continuer à soutenir nos enfants, parce que en tant que mère, tout ce qui vient de notre ventre, peu importe la forme, nous l'acceptons dans l'amour de Dieu, puisque comme lui est le maître des temps et des circonstances, il reste celui qui parfois nous éprouve pour mesurer notre foi. Alors, Père, Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, Monsieur l'abbé Zéphirin, j'ai bien compris votre requête, j'ai bien entendu votre demande. Elle n'est pas votre, elle est notre. Et je ne veux pas m'avancer en brillant par des promesses. Je vous exhorte de me faire confiance pour que nous puissions ensemble accomplir la mission de la requête, la réaliser de façon à ce que nos enfants, nos compatriotes qui en auront besoin puissent en profiter, parce que le Seigneur donne sa grâce à qui il veut. Juste m'accorder un petit temps d'organisation, de programmation pour que cela puisse se réaliser. Je pense que tout est possible à celui qui croit. Tout ce que moi je demande, c'est de prier pour nous, pour que Dieu nous accorde une longue vie, que Dieu continue à pourvoir des provisions dans notre panier, pour que ce projet se réalise et que nous l'inaugurons ensemble, parce que je n'aime pas la pose des premières pierres, je préfère les inaugurations. Donnez-moi juste un petit temps et
solennellement devant témoins, je scelle ce mariage de partenariat que Maman Liliane et vous-même avez bien voulu unir dans la demande de partenariat que vous avez formulée avec Initiative Plus. Comme vous l'avez si bien compris, parce que la philosophie de Initiative Plus se résume dans l'espoir de travailler, de faire le bien et de passer son chemin sans attendre la reconnaissance des humains. Alors, nous allons bien sûr trouver le temps très 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 rapidement, très prochainement, à partir de la semaine prochaine, juste le temps de vous programmer, de nous organiser pour que nous puissions tenir des séances de travail et ainsi projeter ce que nous allons faire et réaliser ensemble. En attendant, je vous félicite et je vous encourage et je prie en même temps au Seigneur, je formule ainsi les vœux que Dieu aussi vous accorde une très longue vie, puisque ce n'est pas à tout le monde ou dans tout le monde qu'il a placé cet apostolat au service des autres sans attendre des intérêts personnels. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous pour que nous puissions continuer avec les différentes missions qu'il nous a confiées. Merci. Et à tous les enfants, courage, bien que parmi les humains, il y a un peu d'écart, mais ceci est tout à fait normal chez nous les êtres humains. Sauf que nous oublions souvent que la position du nez de tout le monde regarde par terre. Pour ceux, n'ayez crainte. Parce que si les voisins ne vous tolèrent pas ou ne vous aiment pas, si les voisins ne vous acceptent pas, Dieu nous accepte. Dieu vous accepte. Les parents vous acceptent. Et toutes les personnes en qui il a placé l'amour sincère va vous accepter comme moi-même. Et je ne manquerai pas, avant de clore et de vous remercier pour une autre et dernière fois, de faire parvenir les salutations de Papa Porte-Bonheur Joseph Kabila Kabange, qui, comme je viens de dire, qui se trouve parmi les principales personnes qui nous soutient, qui nous aide, qui nous encourage, qui ne se plaint jamais de toutes ces absences quand il s'agit de ma présence auprès de vous, nos compatriotes, auprès du peuple congolais et de l'humanité entière d'ailleurs. Sinon, pour aujourd'hui, je souhaite et je prie Dieu que comme il a permis que nous nous retrouvions ici en bonne santé, dans la joie, dans la fête de la résurrection, même anticipée, mais c'est dans 2 jours, qu'il nous accompagne aussi à notre retour, que nous puissions arriver chacun sain et sauf dans son foyer. Merci beaucoup. Hey, 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 hey.
Bonjour docteur. Bonjour maman. Bazo Landabisho, à travers ma mission TV Le Miroir du Monde, Lelo Tomoni Bozana Katia, Parc de la Vallée de l'Ancelé, Nangambo Nayo, Tomoni Boena Bana, Tobite Soki Tobengango Bokono, Potan Musunga Penako, Kobi Maman Mukeli Banda Lokwa Tozana Yomo Kope Sepso, un peu plus de précision. Tomoni Boena Bana, Babengaka communément, Bana Ya Bamongol, et en français Trisomie 21, Dengue Baza Kwa apprendre à Bisho. Nino Koki Koloba par rapport à la journée. Merci beaucoup, maman, pour Namaloba au PCBISO. Biso Tozali, Association Sans Frontières. Lelo Toye Nabana Awa, parce que maman a bien sagi bango et mbabango. En fait, Trisomie 21, Eza Grandongo Lobby, Eza Bokono. Bokonoana, Eza Li Bokono, yo, Mwana Botami, maladie congénitale, donc Yako Botama. Et maladie wana euti na nini bakomi boye pourquoi na tango ya zemina libumu ko kola bana tozana ba chromosome participaka tozana cellule to bengi unité fondamentale na kati ya cellule wana tozana ba chromosome na ba chromosome tozana ba chromosome eko ya 23 et 23 ekutani esali 46 chromosome ndenge ezalaka na banzoto ya batu nyonso sikoyo trisomie 21 tri wana ngo ba misato Zomi wana eza chromosome et puis 21 wana eza esika likambu ezali. Donc na 46 chromosomes wana tozomona 3 place ba chromosome ezaka mibale hein ndenge zo sala nene baki 23 esali 46. Bon ami balé na kokutana na niveau 23 ya chaîne wana ya 46 chromosomes wana na niveau 23 na niveau 21 excusez tozomona ba chromosome ezami 7. Ba chromosome misa donc malformation et ça les messicans en place tes ezami balé na niveau 21 ba chromosome comme misa tu as malade yon a ben yango trisomie 21 donc ezami malade mon ezali na tango ya kokola ya mwana libumu na tango formation na ndezo salema donc ezami malformation congénitale yango na définition ya trisomie 21 parce que ba ton musu ba Hollande biso ton musu ba roki ko zwa moi peu précision et pas na yo na différence na yango na bana ba autiste parce que misu so ba moi ba bi oh c'est les enfants autistes. Ah, donc, oyoyo lobi différence c'est ça que bango baza ba ma caractéristique na bango moko boye o bazo développer o baza différent na bano mususu wana o benga ki moi mongol ne bandelia ezaki appellation nango akala ba bandeli ko benga bango mongol parce que ba kokana ki na ba peuple mongol o baza na zikuna na ndenge ya mutu na bango yango ba benga bango mongol mais kombo ndenge to meseni mikolo biso sa trisomie 21 bango baza na ba sin na bango clinico ezape moins particulier par rapport ya ba ndeko na biso mususu wana okomona pa na bango bien que baza pe na problème ya misu ya matoi na munoko c'est vraiment des problèmes majeurs na déficit sur le plan intellectuel okomona baza na ba forme na bango moko un peu plus particulier okomona moi mitu eza arrondi hein okomona lolemo eza moi monene
et puis au moment na baza moi sur le plan musculaire baza moi faiblesse musculaire et puis na ndé na obaki moi déficit intellectuel wana ezapena ba signe un peu au ezapatant et docteur Nino Koloba parce que ceux qui te lobi total bien journal le longa benga ngoy une journée spéciale parce que j'en connais tellement beaucoup de mamans oyo bazali pe na bano bazali na bokono ya trisomie 21 mais bazala ba souffra kamoké na moi soni ya kobima na bango tant mosu son public ya kotambola na bango ninyo koloba na ba maman na nyonso est-ce que bozali na école est-ce que comment se passe toza na école te mais association sans frontières ndé parmi ba objectif nango ezo sala yango yo ko pesa isusu bana na place na société parce que bana wana selon ba makanisi ya kala to ba histoire ya kala baza oloba ke baza bandoki non ces enfants ne sont pas des baza bandoki te baza lokola biso somme ba botami na problème ya malformation et puis so talibana o mingi ozo bomonde ba sangana baza na bolingo makasi baza na moi loko wana ba lingaka mingi affections ya mama makasi donc place ya association na makambo ezakaka ya ko pesa mango sous valeur dans mon société et puis moi cause analyse sur le bango parce que bazo souffrir moi mingi durant vie na bango baza barobe la mi sou pamba pamba barobe la mi nou lolé moza munene et kokanga bango respiration donc baza ba problème ming donc on assister bango sur le plan sanitaire ya santé donc memara bango na ba hôpitaux ya kotangi sa bango parce qu'ils sont très intelligents au Kenebekol au moins la bazo réciter bazo ça donc baba na moko il faut qu'on intégrer ba ngopé sa moko bolingo baza ba ndokité baza ba kizengité donc le message koloba par rapport ya maman Olive Lembe automonique ya tie penza moto na ena kati ya makambo oyo bino pe bozali na yango tong mosubo banda pe mwakala OK depuis 2019 association ezali ezo luka batu batcha loboko parce que Mama Liliane Aza Yemoko. Azana a na Kinshasa tozana plus de 120 enfants au Mama Liliane Alandelaka na Bondeko na Kabambar. A fouti la rabango classe, azora ba soin na bango na tangi ya ba difficulté ba kuta na ngo chaque fois na ba problème ebele. Et lelo esengoza na biso na association, c'est l'appel de mama toze la to kayé mais déjà son appel eza grand pas. Nous allons partager avec elle ba problème otoza na ngo na ebike Otobandi après 3 ans association Bandaki et Zandé association Zo Bandandé le lot à Marama Minene. Donc voilà. On a encore le bas jusque là comme préoccupation et Zé Aliboso. Batrizomi Bazara à Kinshasa. Batrizomi Bazan à Katanga, Batrizomi Bazan à Bandundu, Batrizomi Bazan à Kisangani. Donc tous en apposa, tous en charge. Ensemble, na Maman Olive, Batrizomi Nyon Soana et si possible, tous en Tolande la maram nabango itali classe na maram nabango itali santé. Donc voilà. Docteur. Alors nous allons prendre une autre personne. Maman Mbote. Ah Mbote maman journaliste. Tomonio na kati ya bana awa na vallée na parc de la vallée de l'Antélé. Nini tokoki ko retenir na ngambo na yo et ko accompagner yo posa na mwana moko o azali na bokono ya trisomie 21. Oh merci mingi maman na ngai. Ngai pe naza maman oyo. A botia ki mwana na emoko pe azana bokono wana ah. Alors le to moni bobimi boza kotambola e nga na system mingi na ba mama autant mosusu ki azana mwana na azako ka soni azako banga ko bimisa e ko kende ko faire passer ba moment neti ya lelo bozali ko passer ensemble na sans frontières na vallée de l'Ansé na parc de la vallée de l'Ansé ninyo ko ki koloba na ba mama. En tout cas, na rosenga na ba mama wana balongola soni bazana ngo. Bana nyonso bazaka bana. Tala bana oyo bazo rendre ba komi utile na société et surtout na nzela ya mama Liliane. On aza ko remercier d'abord premièrement parce que mama Liliane aponaka na ye mutu te hein. Nga nakuta na mama Liliane na nzela so na beti lisolo na ngai. Amonika mwana na ngai azai na jeep atelemi. Atali mwana oyo. Toi, tu es avec qui? Avec ma maman. Je peine approché. Je suis à mon maman, battez la mon bien bon aboye. Est-ce que vous avez carte de visite? Maman, problème problème. Je suis à la carte. 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 Je suis comment okoyoka mwa no soni pona nini eza eloko nzambe apesaka lelo ngana est ce que na yeba ki lelo na kokoma a
na komi awa te me na nzela ya mwana wana muta komi singa awa et puis na kende na koti na hotel du fleuve est-ce que na satandaka na ngona vinanga non mais na nzela ya mwana wana oto mwana ba baza ba inutile or baza utile na kati ya société monayo ninyo koloba parce que batalisi bisote appel au bozu mokolo alelo pona kokuma na parc de la vallée de l'antelé zali mama olive lembe kabila moto asali bino invitation pour passer moment na bana oyo pona kotalisa pe ba mama nanyo soki bana na bazan négligeable te ninyo koloba ah mama naza émotionné pona boyambi bwa biso awa okati ya parc ya la vallée awa mama olive naebi eloko ni tokoyi kopesa ete et puis eloko ni tokoyi kozongisela ete po lelo a rendre bana biso lisusu utile na kati ya société vraiment tala bana kande baza bazo sepela bazo sakana en tout cas nzambe kaka o atushaki mutema ya mama olive place ya zalaki a travers ya banzela o amonela ki bana oyo nzambe wana continue ko sala pona mama a continué ko pesa ye makasi a continué ko soutenir bana biso bazangi ebele ya kozangi za kati na bango bazana problème ya kotanga ba classe ba même makambo ebele parce que to senye ke bana biso pe ba kuma iti na kati ya société ba pe ba ebi bo ordinateur ba beta ba oyo bo ba sala en tout cas makambo ezana no ebele yangwana neti to kutai na mama epi mama ndimi ko yamba bana na biso na maboko na eto ebi ka ke to kozwa solution safari na bana botali si bango banyama herbozongi quand même babete lopé mwa li solo na nzela te oki pese te na oki sengo makasi bana mwana ye moko zo mwana zo fungula le lion le corbeau en tout cas bana bango moko bazo fungula minoko na bango koloba ato aloba kate azo sala kai fort ya koloba moni mwana komi agité c'est que bazala ki baza vraiment ni sengo makasi. Alors je disais tout à l'heure OK maman ngaba kisa. Bon maman déjà au tukoluba to zo remercier car parce a valoriser nan bana biso vraiment valoriser ba o bazali si ba lo bana biso n'importe quoi alors c'est trop alors lelo pena ke ba mona bango na télévision ba mona bango bisika o ba ko penser ba mona bango te vous voyez qu'est-ce que ça fait donc ils ont remonté les choses fois wana et pas na biso ba parents ils ont remonté pe les susu na ba o baza ba environnement na biso vraiment on dit seulement merci merci vraiment merci o nyo soto moni o nyo soto sali a personne oya ko kondima sala yango na propre volonté naye. Je ne pense pas que maman Lili va foutre bambongo va foutre à travers maman Lili bien sûr à travers maman Lilo azo lela lela lokola yo ki bisoné maman nanga uti ko loba donc à pourvoir à reçoit vraiment en considération banana biso ba valoriser vraiment na loba ba valoriser bango lelo que mokilpe mona que ba trisomie baza pe batu o kaka soni pona mwana naye. Vraiment, on a sonné parce que nous avons besoin d'aller le vouloir et le faire. Tant que personne n'a y est, ceux qui ont moins négligé qui y est, peut-être qu'on sera négligeux. Mais le col on a dit mal le langage y a zali depuis bas âge. Tu as maté le long de l'eau comme on a bientôt 14 ans. Au moins qu'à bimi mutu, mais n'a des biens qui passent facilité. Donc bazo c'est bazo mais les lois bimi muta bazo mon gazo qu'une école azo zonga et bazo mon a peur que nene bao bengi sa bao na maman Lili to yo ti baboye. Na photo na maman Olive l'ancienne première dame oh bato ba sekaka wana bakanga photo na yete ya ya na yebi ke ndenge zaboye na bilili ko lekata na bina ngate so leka deja eh ko lekata ya ya ata un jour to kuta na na pe so sango. Merci beaucoup Boko Kasango. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on était ici na parc de la vallée de l'Antelé. Maman Olive Lembe va passer une grande journée. On passe déjà une grande journée aujourd'hui ici ensemble na association Sans Frontières et ba maman ba eko assister to pe ba eko accompagner bana na bango nga esalinge sengo po ba maman balobi ba yo kaka soni te surtout que maman Olive Lembe Kabila a telemi pe alobi akoti bitumba na bango. On prend maman bonjour. Bonjour madame. Oriko se présenter une intention à ba téléspectateurs na biso. Voilà, merci. Je suis Yolande Bagunda Foura, la maman de Neema. Neema, bien. Neema, c'est une petite à moi. Okay. C'est les trisomiques. Okay. Voilà, donc. Je passe de l'autre côté. Ok. Donc, on a profité de cette journée. C'est une petite à vous ou votre fille? C'est
Ma fille. Okay. C'est ma fille. Je dis ma fille, donc on peut dire petite chérie, ma fille, et tout, voilà, dans ce sens. Donc moi, j'ai né ma trisomique. Bah, elle aura 11 ans en juin. Après, elle aura le téléphone. Elle aura le téléphone. C'est une promesse que maman l'a fait. À 15 ans. Alors, j'ai compris la vie, au fait, dans tout ce qu'on traverse, on a besoin d'une marraine. On a besoin d'une marraine comme quand on a le baptême, quand on passe le mariage. On a besoin d'un... C'est comme une marraine, c'est comme une accompagnatrice. C'est ça le rôle que joue Madame Liliane Temouni. Madame Liliane Temouni, qui est la vice-présidente de l'ASBL Sans Frontières, que son mari est le président, elle est la vice-présidente. Donc je l'ai rencontrée comme ça, c'est vraiment une longue histoire. Et après, dès lors, on ne s'est plus lâché. Donc dans mon combat avec Neema, Maman Liliane, elle joue un rôle très très stratégique, dans le sens qu'elle m'a boosté, comme elle a eu une expérience, elle avait eu deux enfants, des jumeaux trisomiques, donc elle en avait l'expérience. Et avec ça, donc, quand je l'avais contactée, je me suis dit, j'ai besoin d'une expérience, j'ai besoin d'une expertise, j'ai besoin d'une professionnelle, comme on peut en avoir besoin dans tous les autres domaines. C'est alors que Maman Liliane, elle m'encadre dès lors. Je l'appelle maman parce qu'on a vraiment une relation, on est très proches, on est voisines, on se parle presque tous les deux jours. Et elle encadre Neema, elle l'aime comme tant d'autres enfants. Donc aujourd'hui, il y a ce plaisir que les enfants sont venus ici, et dans ce beau paysage, je veux dire, chez Maman Olive Lembe. Et on a ce grand plaisir. Personnellement, j'ai ce grand plaisir parce que je connais le combat que mène Madame Liliane Temouni. Elle gère des enfants au village Bondeko, plusieurs enfants. Et beaucoup de ces enfants sont des enfants démunis, je veux dire. C'est-à-dire que de cette inégalité, moi, je veux dire que j'ai la grâce de dire que Neema est là à manger et est là le soin médical par rapport à mon employé. Mais les autres enfants n'ont pas ça. Et c'est ça le combat de Madame Liliane. Ça veut dire qu'il y a cette lutte où elle est en train de chercher, elle frappe par toutes les portes, là où on peut intervenir et l'aider. Donc elle se bat matin, midi, soir, elle se coupe en 10 000 morceaux pour essayer de voir comment elle peut subvenir aux besoins minimum de ses enfants, qui d'abord ils ont des problèmes de santé. Elle a eu à intervenir, je crois, à l'hôpital Kalembele, mais dans le cadre de le mettre au fait à niveau par rapport à tout ce qui avait des antécédents de santé, comme tous les autres enfants trisomiques. Moi j'en ai eu, j'en ai vraiment vécu également avec Neema. Et voilà, les prises en charge sont très importantes parce que c'est hyper, hyper différente. Et tout ce monde, tous ces enfants, je crois que la plupart n'ont pas la prise en charge que les autres enfants ont. Donc c'est ça, au fait, je veux dire, le plaidoyer de Madame Liliane Temouni par rapport à cette aide qu'elle demande pour qu'on la seconde. Parce que quand elle était rentrée de l'Europe, c'était pour aider, je crois, deux ou trois enfants. Mais elle se retrouvait avec 120. C'est lourd pour elle. Elle fait tout avec son mari, ils essaient de chercher. Et aujourd'hui, la porte s'ouvre à côté des Maman Olive. Un mot de votre côté. Ben, Maman Olive, c'est une mère déjà. Donc, c'est une maman, c'est notre maman. C'est bien sûr que, bien que première dame honoraire, mais elle reste la maman. Avec son cœur, je crois que tout le monde suit la télé, ses activités, ses actions et tout et tout. Je me dis que de sa sensibilité, déjà de vouloir assez que les gens soient équilibrés, elle a vu, elle a entendu l'histoire de Madame Liliane et elle s'est dit pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je suis sûre que c'est une porte où la porte est ouverte. Et que je me dis déjà, il y a cet espoir de dire que non. Le fait déjà d'accueillir les enfants dans son milieu comme ça et d'accepter des enfants avec handicap, je me dis que derrière cette invitation ou cette ouverture de la porte, il y a un grand amour. Il y a d'autres mamans qui sont à la maison, peut-être en train de nous suivre aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces mamans-là qui ont honte? Je ne sais pas si de votre côté, vous avez eu aussi des moments avoir honte peut-être de sortir avec Neymar en public. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou lancer un message à toutes ces mamans-là qui ont honte de leurs enfants ou de leur faire appel aussi de venir à son front? Merci. J'ai eu le privilège de n'avoir pas eu honte.
j'avais une souffrance interne, ce questionnement, de, ben, pourquoi moi, pourquoi ceci, mais la honte, non. Déjà, ma vie avec elle, comme la santé, elle était très, très fragile, tout enfant. On était entre deux avions pour les soins médicaux. Et du coup, donc, j'étais avec elle partout. C'est vrai que le regard de gens normaux, entre guillemets, était toujours là où on se disait, ben, on voit les yeux bridés, on voit de petits traits, on se pose des questions. Il y a ceux-là qui savaient déjà que l'enfant était trisomique ou pas. C'est un regard négatif. Aujourd'hui, en fait, on lutte contre justement cette stigmatisation où les autres ont un mauvais regard. Je me dis que non. Imaginons, moi je donne un exemple et toujours je dis, lorsqu'on a quelqu'un de très malade, la personne reste à l'hôpital. Des fois, la personne entre dans les soins intensifs, mais la famille lutte pour sauver cette personne. Ça ne revient quand même qu'on doit lutter de sauver un enfant avec handicap. Ça ne sert à rien de cacher l'enfant. Parce que l'enfant ne peut pas se gérer seul. C'est un enfant qui a déjà cet handicap. Ne peut pas. Donc, il faut que la maman fasse quelque chose. Il faut lutter. Il faut se battre. Il faut dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite de cet enfant. C'est-à-dire que si une maman, vous avez peur de sortir avec l'enfant, et alors, donc, vous allez coincer l'enfant de ne pas être indépendante. C'est alors que vous entendez, il y a des enfants qui ont des problèmes, des malformations ou des enfants avec handicap, qui, plus elles avancent en âge, plus il n'y a pas un changement du point de vue propriété ou une prise en charge sous la gestion même du corps et tout et tout. Mais on dit merci lorsqu'on arrive en fait à sortir de là. Les mamans, n'ayez pas un mauvais regard. N'ayez pas... Lingala. Je vais parler en lingala et puis je vais mélanger peut-être en swahili. Boyo ke la bana la bino sonite. Donc esa sonite. Esa te ke yo yo mutoloba ki ubio opona ki obota mwana trisomique ou bien mwana autiste ou bien mwana handicap mususu. Ba pona kate. Esa pendant que mwana azo se formé que chromosome o ya mobali na chromosome ya mwasi en principe esa 23 de moko oyo eko glisser esa li malformation. C'est inné botanga ngo na ba dictionnaire botanga le mot na ba internet boko mona que ce n'est pas un truc de sorcellerie. Esa te que yo mutoke la ki ango. Non. Bo bangate. Monsieur Madilou, vous êtes chef de projet au niveau de l'association Sans Frontières. Alors, qu'est-ce que vous faites également au sein de cette structure? Et ici, on voit également, des enfants de village Bondeko. Comment ça se fait, en fait, votre travail? En fait, ce que nous faisons avec la CEF, il faut comprendre d'abord que maman Liliane, elle-même, est une mère d'un enfant trisomique. Alors, vous avez vu, comme a expliqué le docteur, à cause de leur malformation physiologique, ils sont des enfants souvent rejetés. Hein, donc parfois dans la société, dans la famille, on avait du mal à les accepter parce qu'on croyait que c'était de la sorcellerie, peut-être c'était des enfants envoûtés et le parent ou l'environnement, on avait tendance à rejeter ces enfants. Alors ce que nous faisons dans l'association Notre Combat, c'est d'abord faire en sorte que d'expliquer, de sensibiliser d'abord le parent pour qu'il comprenne que c'est un enfant, comme tout enfant, ce n'est pas de la sorcellerie ou de la malédiction, il faut en prendre soin. Parce que très souvent, ces enfants sont très capricieux, ils sont malades. Et comme l'a dit le docteur, chaque enfant a ses symptômes à lui, il a sa maladie à lui. Donc il n'y a pas deux enfants trisomiques qui se ressemblent au niveau de, surtout du point de vue sanitaire. Chacun a ses problèmes, il y en a qui ont des problèmes de yeux, il y en a qui ont un peu... Vraiment c'est très compliqué. Alors ce que nous faisons c'est de sensibiliser les parents, de leur expliquer d'abord sur le plan médical, comme a dit le docteur, comment est-ce qu'ils peuvent prendre soin de ces enfants. Ça c'est du point de vue famille. Alors ce que nous faisons ailleurs c'est de chercher des partenaires, de gens qui peuvent être de mécènes, parce que ces enfants, leur scolarité, prendre leur prise en charge médicale, ce sont des complications pour les familles. Nous cherchons des partenaires qui peuvent soutenir les familles avec des moyens, de bonnes personnes qui contribuent pour leur éducation. Comment vous regroupez ces enfants? C'est à travers quelle structure que vous arrivez à réunir ces enfants? La structure que l'on réunit, c'est la CEF. L'ASEF travaille avec certaines associations qui sont déjà connues, comme par exemple il y a un pool au niveau du centre Bondeko, mais il y a des enfants qui sont dans la maison auprès de leurs parents. Donc nous répertorions ces enfants et notre vision c'est vraiment d'aller à travers toute la République, de connaître, de répertorier tous les enfants trisomiques. Dès qu'on les répertorie, maintenant notre combat, tel qu'actuellement nous sommes en train de nous battre pour leur faire un centre à eux. Nous avons déjà un terrain au niveau de Kinkole. Nous cherchons des moyens pour construire un centre dédié aux enfants trisomiques.
Donc voilà pourquoi nous sommes en train de lancer vraiment le message. Et heureusement que Dieu a fait grâce, qu'il a touché le cœur de Maman Olive pour s'impliquer dans ces combats. Parce que le combat ne se limite pas là. Il est aussi juridico-légal. Nous sommes en train de nous battre pour qu'au niveau de l'Assemblée, on puisse voter des lois qui sécurisent ces enfants. De lois qui leur donnent de faveur, par exemple, pour leur scolarité, de faveur pour la prise en charge médicale. Que ces parents qui ont ces enfants trisomiques puissent aller à l'hôpital gratuitement, parce que ce sont des enfants qu'on doit vraiment, dont la santé est précaire. Il faut que l'État s'implique pour que le parent, qui pour la plupart sont pauvres, puisse le prendre en charge. Donc c'est un peu à ces trois niveaux que se situe le combat de l'ASEF. Merci beaucoup. L'association, l'âge des enfants va de 0 jusqu'à 15 ans. Et même ceux qui sont au-delà, nous en prenons en charge. Donc, comme vous allez voir là, on a pu amener que des enfants de 0 jusqu'à 15 ans, parce que c'est assez là. Il y en a qui sont déjà plus âgés, c'est difficile parfois de mettre la main sur eux. Mais sinon, ce sont ce genre d'enfants que nous prenons en charge. Et vraiment, il y a beaucoup de travail. Nous sommes des bénévoles, comme le docteur, nous faisons le bénévolat au sein de l'association parce que c'est un travail que nous aimons. Ce sont des enfants qui ont besoin de l'assistance. Merci. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.